Allez, c'est parti, messieurs, dames, pour la coupe. J'ai oublié le nom de la coupe, peu importe, on s'en fout. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce stade chaud, comme la braise encore une fois. Nous sommes de retour sur Mario Strikers Battle League Football. Et voici venir nos prochains concurrents, une toute nouvelle équipe. Allez, on en a marre des bellissimes là, bellissimes, ma la pasta, la pizza, on s'en fout. Voici venir, mesdames et messieurs, les Bulls Magic, menés par Harmony ainsi que toute son équipe du futur. En face, le terrible Wario et toute une équipe d'acolytes, bien sûr, qui sont là également. Regardez ce qui nous attend, c'est parti pour ce premier match de ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, très bien. J'attends des tacles. Oh là là, c'est très précis ce tacle. Bien joué à Waluigi qui s'est bien mis. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Bowser qui tente des fourberies. Oh, ça a failli passer. Aïe, 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 terrible. Et attention, peut-être la tire parfaite de Harmony. C'est magnifique, les Bulls Magic sont là. Ils sont présents dès le départ. Et regardez la classe de ce leader, Harmony bien sûr, qui est venu avec ses énormes petons mettre un coup terrible dans ses premières secondes de jeu. On voyait Bowser en train de faire une sieste à l'intérieur. Voilà, ça c'est un tacle bien senti. On est très très bien joué. Et encore une fois, une frappe parfaite, ah là là. Ah, une frappe très puissante, hein. Elle est pas là pour rien. Harmony qui a été sélectionnée, hein, bien sûr, par Luigi et ses acolytes du futur en tant que tireuse d'élite. On l'appelle la sniper, hein, tout simplement footballistique. Elle est vraiment exceptionnelle. Oh là là, oh là. Les écumeurs absolument aux fraises. C'est terrible ce qui se passe pour eux. Oh, Harmony qui tente des frappes du fond du terrain. En tout cas, pour le moment, c'est très très facile pour nos amis du Bulls Magic. Oh là là, une très belle frappe du côté des écumeurs. Le Bowser qui vous a fait ici très très peur. Attention, ça tente directement une frappe. Bowser va-t-il pouvoir récupérer la balle? Mais là, sonne non. Aïe 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 aïe, attention. Oh là là, les écumeurs qui directement régalisent. Enfin non, n'égalisent pas encore. Tout est encore bon. Le Waluigi qui nous met une frappe directement. C'est un 2 à 1. Et attention, ils ont l'avantage car ils ont encore leur super frappe. Tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. Oh, ça tente des choses très bizarres ici. Oula, très 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 mauvaise frappe ici de Luigi qui s'est un petit peu fourvoyé. Attention, Harmony qui tente encore une frappe. Ah, oh, malheureusement. Pas très réactif du côté des écumeurs en défense, mais en tout cas, le goal a fait l'affaire. Oh, le Waluigi, une vitesse écrasante. Et attention, ça retente encore un tir ici. Et c'est parti pour un autre tir. Oh là là, elle est vraiment très très performante, cette Harmony. On ne l'arrête pas, elle n'est pas là pour rien. Là, encore une fois, une frappe millimétrée, on va le voir. Ici, il suffit d'un simple tir en pleine lucarne. Et hop là! Dans le haut, boum boum, n'a rien vu venir. Oh, très très belle esquive ici. Waluigi qui a pris tous les risques pour ses coéquipiers. Oh la feinte! Oh la feinte! Bowser qui était là pour récupérer le tir. Oh, très très bien. Très très bien ici. Attention, attention, les écumeurs qui ont leur super frappe, ça peut être terrible pour l'équipe des Bulls Magic. Ils vont devoir peut-être temporiser afin d'empêcher leurs adversaires. Hop, 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 hop. Et peut-être une frappe parfaite ici. Oh là 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 là, reprise de volée, on l'a vu avec la main, mais c'est autorisé ici. Les règles sont formelles et c'est certainement pas Wario qui dira le contraire. Ah, c'était un très très beau centre, personne n'a rien su faire ici. Boum boum, était des années-lumière de la rattraper. Oh là là là. Les Bulls magiques ne se laissent vraiment pas faire, hein, au niveau défense. Attention à ce Toad qui va à la vitesse du son. Et Luigi tente une frappe.
Ah, beaucoup trop faible, Luigi. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Luigi a tenté quelque chose de très audacieux. Il aurait eu 20 sur 20 au bac avec ça. Oh, attention à cette frappe. Oh, très belle reprise de notre Todd. Oh là. Ok, boum boum, toujours là au cage des Bulls Magic. Ne se laisse pas avoir par une frappe aussi faible. Hop là. Oh, tant qu'il tente un tir, c'est absolument débile. Ah, Wario qui prend son temps. Je ne pense pas que ce soit une bannière. Oh, ils ont réussi à les avoir avec l'effet de surprise, les écumeurs qui marquent leur deuxième but dans cette rencontre. Attention, hein, sur une erreur, tout peut arriver ici. Ils ont encore leur super frappe de disponible. Ou peut-être plus. Eh, si, 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 si. Il va falloir être très... Oh là, une frappe directe d'harmonie, une deuxième. Ah, il n'en aura pas de troisième, hélas. La super frappe est évitée. Attention à Todd qui fait cette passe. Oh là là, le tir de Luigi, malheureusement, directement dans les mains du gardien. Ah, il aura fait de son mieux, hein. C'était une belle frappe, pourtant. On ne peut pas lui en vouloir. Hop là, et la reprise directement. Un très bel angle ici, malheureusement. Aucun de nos Bulls Magic était disponible afin de rattraper la balle. Oh, la super frappe est prise. La super frappe est prise du côté des Bulls Magic. Attention, la super frappe peut-être des buzzers. Ça peut être monumental. À 22 secondes seulement de la fin de cette rencontre, je pense que ce sera une des dernières actions impressionnantes de ce match. Est-ce que Boum Boum va réussir à rattraper tout ça? Regardez comme cette balle est chaude. Hop là, et c'est en 6-2. Oh là là, quel affrontement, quelle puissance de la part de nos Bulls Magic, une toute nouvelle équipe qui vient tout juste d'être créée. Ils ont une sacrée force de frappe entre Bowser et Harmony. Secondé bien sûr par Luigi. Et Todd à la vitesse. Et la technique surtout. Oh, Wario qui a cru pouvoir s'en tirer ici. Oh, la passe directe! Et attention, Luigi qui profite de sa vitesse pour essayer d'en marquer un autre. Ah, le goal malheureusement n'est pas dupe. Petite banane et ça tente. Ça tente un dernier petit coup pour rien. Luigi qui n'aura rien marqué de cette rencontre mais qui aura quand même fait de belles actions. Bien joué à nos Bulls. Ça va. Pour un match de show, c'est pas dégueu. Ça, je suis pas rouillé. Let's go. Bon, j'espère... Ça va, là, comme ça, vous... Est-ce que vous ratez des trucs avec ma cam, ici? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Bon, là, les textes, on s'en fout. Les textes, c'est vraiment pas intéressant. Mais si vous voulez, je peux essayer de mettre la cam ailleurs. Je sais pas s'il y a un meilleur endroit pour la cam ou pas. Ça a l'air d'aller, apparemment. Ok, let's go. Le nombre de tirs que je fais, hein. Le commentateur qui prend tellement parti, c'est vrai. C'est bien réel, c'est bien réel. C'est bien réel. Alors, messieurs, dames, nos Bulls Magic vont donc devoir affronter les éclairs qui viennent de mettre un 5-0 au Blizzard. Ils se sont pris un sacré coup de clim, on peut le dire. Une équipe bien sûr menée par la Princesse Peach, secondée de Wario, Luigi, Mario, Luigi et Waluigi, pardon. Et le voici, ce terrain qui se forme encore une fois. Le manoir hanté des Bulls Magic qui viendra face à un château. Le château de la princesse, bien sûr, qui va nous rejoindre très très vite sur le terrain. Voilà, on voit encore une fois à côté le luxe du côté de notre équipe des Outsiders, bien sûr. Et la voilà qui arrive directement, encore une fois. Harmonie, l'harmonie bien sûr, regardez la taille de ses pieds, regardez à quel point elle est pas là pour, hein, elle est pas là pour enfuir des perles, elle est là pour marquer des buts, c'est clair et net. Du côté des bleus, ça met de très belles visières, le choix vestimentaire n'est pas discuté. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, voilà. Le jeu d'équipe est plutôt pas mal ici, alors je vais pas vous mentir qu'on commence à avoir un petit peu du mal. Et attention, Luigi qui tente une petite frappe qui était plutôt bien mise, hein. Ah là là là. Ah, par contre, Luigi qui était aux fraises sur cet échange, dommage. Hop là, le beau tacle de Bowser, ça part directement. Luigi qui retente encore une frappe, c'est complètement en vain. Et attention, oh là là, c'était pas si mal visé. Aïe aïe aïe, ce tacle raté qui va peut-être faire très très mal.
Qu'est-ce que c'est que ces passes de l'enfer? On comprend rien. Ah, Harmony qui est là pour la défense. Ah, c'était terrifiant comme action. Et Luigi qui va tenter un tir. Oh, eh non, il nous a surpris sur ce coup-là. Ah, Luigi qui tente encore des tirs. Hein. Ouais, mais non, mais... Il va falloir qu'il comprenne qu'il n'est plus à la hauteur ici, malheureusement. Oh, attention, ça tente une... Oh, c'était très bizarre ce qui s'est passé du côté de Bowser, mais c'est parfait! Il est entré dans la tête de ses adversaires, a mis les objets de manière complètement aléatoire, et pourtant, ça a marché, ça les a déstabilisés. Regardez cette frappe monumentale, cette balle folle. Enfin, oh là là, j'en perds mes mots, tellement c'est beau ce qui vient de se passer, tellement je suis ivre mort. C'est faux, bien sûr. C'est un 2-0 directement. Le ton est lancé du côté des Boos Magic. Ils ont l'air très orientés dans les passes. Nos amis des éclairs. Ah, très belle interception de Todd ici. Ouh là là, on a eu très très peur ici. Oh, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, et oui, et Boom Boom n'aime pas le harcèlement, on le sait très bien. Un très très bon jeu collectif hein, de la part de l'équipe bleue. Ah, Luigi peut-être fier effectivement. Le Luigi du présent, hein, bien sûr. C'est vrai que du côté des Boos Magic, on est un petit peu moins dans le collectif, on est surtout dans l'attaque. Alors que du côté de nos chers éclairs ici, c'est beaucoup plus... beaucoup plus équipe. Et c'est reparti. Peut-être qu'ils vont... Hop là! Ouais, non, malheureusement. C'était bien tenté, mais la frappe n'était pas assez puissante. Oh, très belle! Attention, est-ce que... Oh, c'était pas mal tenté. Bowser qui avait été esselé. Oh là là là. Oh, une faute de tact qui va faire potentiellement très mal. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu fourvoiement. Oh, Todd, attention. Oh, Bowser qui tente encore une super frappe. Il a vu qu'il était seul. Oh là 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 là. L'équipe des éclairs est peut-être forte en équipe. Mais dès qu'ils sont esselés, ils n'ont plus rien à prouver. Regardez-les. Encore une fois, Bowser qui tente d'imposer sa surpuissance. Une frappe encore une fois parfaite. C'est un 4-1, mesdames et messieurs. Ah, c'est terrible. Hein. Le coup de pression est immense. En seulement 2 tirs, déjà 4 buts. Autant vous dire que l'équipe des Bleus va peut-être rester à terre sur cet affrontement. Ils ont pourtant de très beaux objets à leur actif, mais ne s'en servent pas. Oh, Harmony qui tente un tir. Ah, c'était un petit peu trop en cloche, ça ne serait pas rentré de toute façon. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Boum Boum en perd totalement ses moyens. Ah, il y a une tentative ici, hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Luigi qui va dans les cages. Ah, personne qui ne rattrape cette balle, hein, vraiment. Oh, attention, une super frappe de Bowser encore une fois, regardez! Eh oui! Très belle utilisation d'objets de la part de nos Boos Magic. Ils ont peut-être été déstabilisés, cette frappe n'est pas parfaite. Peut-être que Boom Boom pourra l'arrêter dans le camp adverse. Un Bowser qui met véritablement le feu sur cette piste. Luigi prêt, bien sûr, à réceptionner la balle si nécessaire. Hop là! Ça n'a pas été fait malheureusement. Beaucoup plus de réactivité du côté des éclairs. Et attention, c'est reparti pour Harmony! Ah, un tir en cloche. Oh, cette banane. Très très bien cette banane. Attention, Bowser qui tente encore une fois une frappe. Ça ne marche pas, il reste seulement 40 secondes. La rencontre semble déjà scellée. Attention à cette frappe! Attention à cette frappe, les éclairs, encore même une super frappe de charger. Si jamais ils arrivent à la mettre, ça pourrait remettre les pendules à l'heure. Ouais, regardez-les désarmés complètement, ces éclairs qui ont vu Bowser charger cette frappe et n'ont rien tenté. Sachant déjà à l'avance que c'était terminé, il y a désormais 5-1 dans cet affrontement, mesdames et messieurs, c'est d'ores et déjà fini. Les quelques secondes qui vont suivre sont là juste pour le spectacle, juste pour vous.
Ah, c'est terrible, ce n'est pas forcément un spectacle très agréable pour les supporters de nos chers éclairs et non Bulls Magic qui continuent avec un but directement d'une violence et d'une rapidité sans nom harmonie hein, qui confirme sa qualité de meneuse quand même ici. Elle n'a pas besoin de super pouvoir ici pour marquer des buts monumentaux. C'est... Ah, c'est du beau football hein, que nous montrent les Bulls Magic ici. Dommage, les éclairs avaient un très bon jeu d'équipe hein, une fois arrivés dans la surface, mais en défense, ça pêche pas mal. Allez, c'est au tour de Todd de tenter une petite action. Ça tente des petites passes. Et Luigi, qui a quand même un petit peu envie de marquer, hein, on le voit ici. Et oui, l'ex-meneur de l'équipe des Bulls Magic, anciennement les bellicistes. Oh là là, et à la dernière... Dans les dernières 5 secondes de ce match, un 7ème but honteux, glissant des mains de ce pauvre Boum Boum. On voit la princesse Peach ici, qui tente en vain de garder son calme. Il y a des têtes qui vont être coupées au Royaume Champignon ce soir. Aïe, 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 aïe. Les couilles de notre cher Mario vont être aussi bleues que les couleurs de son équipe. Oh là, quelle violence, nos boules magiques hein, qui sont là. 7-1. C'est un écrasement encore une fois. Bien joué à eux. On va bien sûr revoir les quelques actions. Regardez cette super frappe de poser. Et regardez ici, bien sûr, Luigi Bleu, le seul but de nos chers éclairs. Il faut quand même le montrer. Ils avaient fait une très belle action, hein, mine de rien. Ils n'ont pas démérité. Peut-être les retrouverons-t-on en finale. Plus énervés que jamais. Alors, les écumeurs ont mis 8-1 aux Blizzards qui vont entrer chez eux très très tristes. Et oui, les Blizzards qui n'auront pas marqué plus d'un seul but, hein, malheureusement. Et c'est le retour des éclairs, comme on l'avait dit. Mesdames et messieurs, ils sont là, ils sont prêts à se rebattre face aux Bulls Magic. Vont-ils être cette fois-ci un petit peu plus forts, un petit peu plus alertes dans ce match? C'est ce que nous allons voir. Tandis que le terrain se reforme, nous n'allons peut-être pas le regarder encore une fois alors qu'on vient de le faire. C'est le début de cet affrontement hein. Directement un bon jeu d'équipe ici. Aïe 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 aïe, oh, notre cher Boum Boum qui a su... Hop là. Notre cher Boum Boum qui a su quand même arrêter ce tir. Ah, le jeu d'équipe, hein, le jeu d'équipe une fois dans la surface, on l'a dit chez les éclairs, est vraiment terrifiant. Attention, Harmonie qui nous tente un tir. Oh là 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 là, encore une spéciale Harmonie ici, hein. C'est une véritable étoile filante qui est partie dans les buts de nos chers éclairs. Déjà 1-0, au bout de 20 secondes de jeu uniquement. Ah, regardez, un Boum Boum a pourtant essayé. C'était encore rattrapable, mais... Pas facile, hein, pas facile, malheureusement, on le sait. Voilà, très 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 violent ici. Oh là là, Bowser qui tente des choses. Oh là là, très très bien joué de la part de Bowser ce tir. Ah là là, Ah non, le goal était seul. Le goal était seul, malheureusement. Oh, la violence de cet affrontement est sans nom. Ah, la balle a été interceptée par l'adversaire ici. Très très bien joué de la part de Todd. Et attention, Luigi qui va tenter un coup de boule. Ah, Luigi qui a quand même envie de tenter des actions, on peut le comprendre en tant qu'ex-capitaine. Oh là là, attention! Très bien joué de la part des Verts, ils ont l'avantage de la super frappe. À tout moment, ça peut... Oh! Ils ne l'ont pas vu venir, cette carapace était très bien jouée de la part des Bleus défensivement. Et attention, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, la feinte qui a été faite par l'équipe des Verts, un faux tir d'une faiblesse déconcertante qui a été récupérée par Bowser. J'avoue ne pas avoir compris cette action moi non plus, mais l'important est là, le but a été marqué, regardez. Boum Boum qui a viré cette balle d'un revers et malheureusement Bowser qui était là pour l'intercepter directement. Profitant d'une confusion dans les cages. Et oui, c'était un petit peu une colibolue au milieu. Très bien joué de leur part. Voilà, attends. Oh là là, très belle carapace ici. Boum Boum qui va quand même aller récupérer la balle. Toti se démarque ici.
Hop là, ça tente des choses, malheureusement Todd était seul. Oula. Très belle utilisation des objets du côté des éclairs. Et attention, la spéciale d'Harmony peut-être. Ah, Boom Boom Sticky, ça y est. Se démarque. Commence à comprendre le fonctionnement peut-être des Bulls Magic. Oh, très très belle. Attention, la spéciale à nouveau. Ah, malheureusement. Oh, ouais, ça se bat. Hein. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les Bulls Magic qui n'ont pas compris hein, en termes de... Et je crois que c'est une frappe parfaite du côté de nos éclairs. Ça va peut-être remettre un petit peu de suspense dans ce match, mesdames et messieurs. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est parfaite, c'est un 2 partout. Le match est relancé. Aïe, 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 il y a une mauvaise communication du côté de nos Bulls Magic. Ils sont partis dans deux sens différents, comme s'ils n'avaient pas sélectionné le bon joueur. Bref, bizarre. Bon, oh, attention, une frappe directe de Bowser. Ici, qui aurait pu faire très très mal, bien sûr. Voilà, ce Waluigi qui... très intelligent à utiliser cette étoile à son avantage. Oh, aïe, 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 très bel objet. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Aïe, 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 aïe. Très, très bon jeu collectif encore des éclairs. Une fois qu'ils sont dans la première, dans la surface de réparation, ça devient difficile, hein. Enfin, bah, vous avez compris, c'est pas la surface de réparation, mais bref. Une fois qu'ils sont du côté de leurs adversaires, tout d'un coup, ça fait moins les malins du côté des Bulls Magic. Ah, et les Bulls Magic, ils vont récupérer leur objet. Ils en ont sûrement besoin. Oh, très belle esquive ici. Bon, un tir, ma foi... un peu hasardeux du côté des Bulls Magic, ça commence... Oh là là, ça commence à mettre une pression folle. Ça met une pression folle hein, du côté des éclairs. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Allez, nos amis des Bulls Magic ne savent pas comment... oh là là, ne savent pas comment récupérer cette balle, on l'a vu, ils paniquent. Alors, en toute sérieusité, je ne comprends pas comment récupérer la balle dans ces cas-là. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment faire en étant seul. Il faut juste que j'ai une tombola quand je sélectionne un personnage. C'est terrible. C'est difficile. Mais, bien joué de la part. Il reste seulement 57 secondes et tout est encore possible. Attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Luigi a-t-il tiré tout seul comme un connard alors qu'il avait sa super frappe? Envie de péter un plomb, bordel. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être la fin des Bulls Magic ici. Péter un plomb. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nos Bulls Magic, ils sont décontenancés totalement. Aïe, 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 aïe. La super frappe était leur seul espoir ici. Et c'est parti pour une frappe de Luigi qui va quand même tenter de mettre au moins un but. 3 à 4, il reste 10 secondes. Au Bulls Magic. Ça va être compliqué, mais tout est encore jouable. Sur une erreur de leurs adversaires. Ouais, malheureusement, c'est trop tard. À moins que, mais c'est incroyable! On assiste peut-être au miracle de ce match, mesdames et messieurs! Une chance sur deux si Boom Boom la rattrape ou ne la rattrape pas. Que ce match soit bouleversé à tout jamais, mesdames et messieurs! C'est sur une super frappe! Presque parfaite de notre très chère Harmony, que tout se joue. Vous entendez, le timer a retenti. Et malheureusement, le goal a été exceptionnel. Les éclairs remportent cet affrontement. Aïe, 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 les Bulls Magic qui ont cru jusqu'à la dernière seconde. C'est terrible. Les éclairs qui se sont très, très bien remis de leur première défaite face aux Bulls. On peut vraiment pas dire qu'ils ont mal joué sur cet affrontement, très clairement. Ils ont écrasé les Bulls Magic. Terrible, très très bien joué de leur part. Sauf que, comme ils étaient en loser bracket, c'est parti pour un troisième affrontement, car je vous le rappelle, c'est une victoire partout de leur côté. Il est temps pour les Bulls Magic de se ressaisir, peut-être, et d'obtenir ce titre.
Allez, messieurs, dames, comme c'est le dernier, on se le laisse. On se le laisse. Ce terrain qui se reforme encore et encore. Regardez du côté des Bulls Magic, certes. Il n'y a pas encore énormément de budget, mais le ton est donné. On a très très peur. Tandis que du côté de la Princess Peach, ici, on a beaucoup d'opulence. On voit hein, le stade est plein, craqué. C'est l'affrontement. On n'a jamais vu un affrontement aussi serré. Une victoire à l'aller pour les Bulls. Une victoire au retour pour les éclairs. L'affrontement n'en sera que plus terrifiant ici. Regardez les Harmony et Peach qui vont devoir se faire face. Les deux seules femmes de cette compétition à l'heure actuelle. Le match commence. Oh, Bowser qui donne le ton ici. C'est une frappe directe. Oh, et c'est très bien cadré. Très très bel effet qui a directement semé la confusion chez notre Boom Boom National du côté bleu. Bowser qui était peut-être un peu frustré de ses performances lors du précédent match. Il n'avait en effet pas pu faire grand chose. Il a décidé de redonner le ton, peut-être se sent-il topé. Oh là là, Bowser qui continue encore une fois. Ah, et ça ne marchera peut-être pas deux fois la file, effectivement. Oh là là, oh, ce contre incroyable d'Harmony. Ah, malheureusement, un petit peu loin ici, hein. Oh, on s'attend des choses. Oh, oh, Toki vient de se prendre un contre. Toki vient de se prendre un... Ah, bizarre ce qui vient de se passer. On tire directement de si loin. Très osé ici. Oula, où ça se bat? Où ça se bat? Oh, très très belle bombe ici. Pour empêcher, bien sûr. Oh, attention, un tir directement. Ouf. Oh, les éclairs sont un petit peu plus mis en difficulté ici. Oh, la boule est récupérée par nos amis les Bulls Magic. Hop là, oh. Très très bon contre ici. Et alors attention. Oh, le Witchy qui va tenter de super frappe. C'est malheureusement pas une super réussite, mais peut-être que ça suffira à mettre encore plus une grosse pression à nos éclairs. Enfin, le précédent capitaine de l'équipe des Bulls Magic, qui va pouvoir peut-être prouver sa force à nouveau. Et c'est un 3-0, mesdames et messieurs. Directement 3-0 à 1 minute 20 de cet affrontement uniquement. Les Bulls Magic se sont réveillés. Ils ne comptent pas se rendormir, on l'espère. Pour un maximum de beau football, bien sûr. Encore la spéciale. Oh là 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 là, la spéciale d'Harmony qui ne rate qu'une seule fois sur deux. On peut dire que c'est quand même un petit peu un pile ou face. Mais un pile ou face qui, malheureusement, quand il fonctionne, fait très très mal à leurs adversaires. Elle a tant de puissance dans les pieds. Regardez, Boom Boom ne sait pas réagir encore une fois. 4-0, mesdames et messieurs. Il reste 2 minutes 30. Oh là là. Ouh, heureusement que le goal était là. Allez, le Todd qui... Hop là. Oh, très bien joué ici. Et Luigi qui va tenter un tir directement. Oh là 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 là. L'interception d'Harmony qui ne pardonne pas Boom Boom, qui s'en veut terriblement. On l'a vu, il se prenait la tête. Il ne l'avait pas vu. Elle était là, prête à accueillir le ballon. Regardez encore une fois. Un simple rebond. Une petite passe bien centrée. Boom Boom avait perdu l'équilibre. Et oh là là, terrible. Ah, qu'est-ce qu'il doit s'en vouloir, ce Boom Boom. Eh oui, regardez-le, il s'était cassé la gueule. Ah, 5-0, ça commence à sentir un petit peu la victoire. Ça commence à sentir la victoire déjà de nos Bulls Magic. Oula! Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était d'une violence sans nom. Ah, tandis que du côté des Verts, du côté des Bulls Magic, en défense, il n'y avait personne, mais heureusement... Oh là là! Oh, très très bel objet utilisé chez les éclairs ici. Oh, attention, personne n'est là pour l'empêcher. Luigi va peut-être tenter encore une fois une deuxième nouvelle frappe. On en est à 5-0 déjà et peut-être un 7-0 qui arrive si Boom Boom n'arrive pas à rattraper cette balle. Ce serait une finale absolument écrasante pour les Bulls. Attention, attention, attention.
Oh là 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 là, Boum Boum qui est fatigué après ces trois matchs joués d'affilée contre les Bulls. Il n'arrive plus à rattraper la moindre balle, c'est terrible, regardez-moi ça. Aïe 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 aïe, la tornade verte hein. La tornade verte qui fera son effet sur cet affrontement. On peut dire que notre ex-leader du groupe, bien sûr. Ah, très 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 beau rattrapage. Attention à la spéciale, Darwin qui arrive. Ça fait être à 8-0. Tout est encore possible, bien sûr. On s'attend beaucoup d'attaques hein, du côté des Bulls. Oh, attention ici, bien sûr, c'était bien joué. Bien joué. Oh là là, une petite carapace qui arrive ici. Oh là là. Oh, ça a failli être un centre surprise. Oh là là. Eh oui, Peach était seul. Boum Boum n'était pas concentré sur le ballon, mais plutôt sur autre chose, visiblement. Ce sera au moins un but pour sauver l'honneur chez les éclairs. Un petit point qui est au moins ici. Et 7-1, malheureusement, ce ne sera pas rattrapable. En seulement 58 secondes, nous n'y croyons pas une seule seconde. Surtout si Luigi, mesdames et messieurs, se démarque seul dès le départ pour nous faire une superbe frappe. Parfaite, messieurs, dames. Aïe, 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 ça va être d'une violence sans nom. Regardez-moi ça. Ah, l'ex-capitaine des Bulls, hein, qui vraiment est resté dans l'équipe et compte bien mériter cette place. Regardez-le, déjà 3 super frappes à son actif, 6 points rien qu'à lui seul. Ah, c'est un très très beau match que nous proposent les Bulls ici. Oh, Todd! Oh, Todd qui essaye de faire les choses, on n'a jamais vu ça. Oh, très bon rattrapage. Oh là. Bizarre l'ambiance. Eh oui. Ça a voulu faire les choses du côté des Bulls, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Leur tactique de défense était à revoir. Les éclairs marquent donc un deuxième but honorifique, on va le dire. Ah, c'est vraiment pas un but impressionnant en plus, malheureusement. Mais bon, ça fera toujours ça sur la fiche de paye. Je vous rappelle qu'ils sont payés, bien sûr, au but, hein, nos joueurs de foot. Plus ils marquent de but, plus ils sont payés. Ce sera toujours ça dans les caisses du Royaume Champignon. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un échange! C'était un simple échange de collégiens et ça se transforme en but! On n'a jamais vu ça, regardez la simplicité avec laquelle Luigi a marqué ce 10e but de son équipe! C'est absolument ridicule! Oh là là, ce Boum Boum va certainement rentrer seul chez lui. Ne verra pas ses enfants, on peut le dire. Voilà, il ne manquerait plus qu'une super frappe hein, des Bulls pour... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non, 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 non. Harmonique est seul qui se démarque, non. Personne ne l'arrête. Mais personne ne l'arrête alors que Luigi est juste devant. Il ne fait que la regarder comme s'il savait déjà que c'était terminé. Mesdames et messieurs, regardez bien cette dernière action de ce match comme elle est belle. C'est parti pour un 12-2. Quelle humiliation, mesdames et messieurs. Merci à Crocan pour ses 4 mois d'abonnement, bien sûr. Quelle humiliation. Ah, c'est d'une violence très très rare. On voit le Bulls qui décide de leur laisser une action, hein, bien sûr, mais... C'est terminé, mesdames et messieurs, un 12-2. Les Bulls l'ont bien compris, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre et... ont bien montré qu'une fois réveillés, ils sont là. Ils sont là, les Bulls. Du très beau football. Harmony va pouvoir aller chercher sa coupe d'un instant à l'autre. Ah, tandis qu'on voit une possession de 65% chez les éclairs, ce qui, encore une fois, démontre que la possession ne fait pas tout dans un match de football. Quelle coupe brio, mesdames et messieurs, on aura vibré. On y aura cru à ces Bulls Magic qui auraient pu être défaits par les éclairs. Mais il n'en est rien et regardez cette coupe. Ah, elle est méritée sur un 12-2. On peut dire qu'elle est méritée, mesdames et messieurs, regardez-la. Félicitations.
Ah, let's go. Ah, on a vibré, là. Ah, là, on a vibré nos mères. Hein. Ah, j'ai même vibré ma sœur, j'ai envie de vous dire. Allez, hop. Et on a la coupe Maestria qui arrive. Ah, des bisous, YouTube, bien sûr. Une VOD par coupe, je sais pas du tout comment ça fonctionnera à l'heure où je fais ça. Les VOD sont pas encore sortis, mais on verra bien. Oui, parce que j'ai décidé de faire une VOD par coupe. Bizarre, mais je trouvais ça plus sympa.